messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau numéro. Vous êtes bien censé ignorer que nous sommes dans la ville de Kinshasa et nous avons un réel plaisir de vous savoir toujours connecté, toujours branché pour suivre tous ces invités qui passent à chaque instant. Nous sommes dans ce mois de mars et dans ce mois de mars, on ne cessera jamais, non pas de souhaiter une bonne fête, comme le veut la tradition à toutes les femmes, mais je vais plutôt dire de demander à chaque femme de se lever là où elle est et surtout d'essayer d'investir, d'essayer d'utiliser son intelligence pour pouvoir un jour réussir à faire quelque chose de ses mains, de sa tête et bien évidemment de tout le reste. Alors aujourd'hui, je reçois un artiste que vous connaissez si bien, vous l'appréciez, vous me l'avez tellement demandé, donc ce sera plutôt à caractère culturel. Vous l'avez, à chaque fois vous m'écrivez des messages, mais Ingrid, c'est quand que tu le ressens, c'est quand que tu le reçois? Et bien voilà, aujourd'hui il est là présentement et avec honneur, rien que pour vous. Il est un artiste comédien, directeur artistique, réalisateur, il est capable de tout faire. C'est un magicien. Quand il se met sur scène, il vous fait le quinois, il vous fait l'intellectuel. Il est capable même de vous jouer le patron, le tout ce que vous voulez. Il interprète ses rôles à la perfection. Je dirais même que c'est un artiste rocambolesque. Quand je vous dis ça, vous commencez à comprendre de qui je vous parle. Et oui, Gaylor Ingangé, pour ceux qui préfèrent le dire ou non de scène, on dira plutôt Gaycho, Spoon. Alors je pense qu'avec tout ça, ce sera beaucoup plus simple que lui-même réponde à toutes les questions. Parce que moi, j'ai essayé, j'ai tenté, je me suis informé, j'ai dit mais non, rien ne vaut mieux que de l'avoir dans son plateau. Rien que pour ses prestations, rien que pour son interprétation. J'ai l'honneur et le plaisir de le recevoir. Gaylor, bonjour. Bonjour, Ingrid Kabongo. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir de t'avoir enfin dans Entre nous. Le plaisir est partagé. Je suis ravi. Tu t'imagines pas quand tu dis ça, qu'est-ce que je suis comblé. Oui. J'espère que tu as aimé la présentation de la Cocité. Non, j'ai beaucoup aimé déjà ça. C'est une bonne introduction. Quand je dis de toutes ces interprétations, tu sais, des fois, je me pose d'emblée, hein, je me demande des fois où tu puises l'inspiration. Ça reste des fois dans les yeux, même quand les gens, je lis des commentaires à chaque fois sur YouTube ou bien quand les gens parlent, ils disent, mais il est capable de tout faire. Il peut passer du médecin au chégué. Tout à fait. Du chanteur au vanup, il fait tout. Tu te reconnais avec toutes ces qualités? Ah oui, voilà, il faut parler de l'incarnation et puis de l'interprétation. Mm. Déjà, par définition, nous les techniciens de la scène, l'incarnation, c'est déjà le fait de porter tous les caractères psychologiques et physiques de ton personnage. Mm. Qui est un personnage, c'est une personne fictive à qui l'acteur ou l'actrice prête son corps pour qu'il s'exprime. Mm-hmm. Et l'interprétation, c'est un exercice qui consiste à faire comme la vraisemblance. Mm. Moi, étant interprète des formations, je ne peux que faire cela. J'interprète le rôle de la vie. J'aime déjà la manière dont tu parles. Je suis aujourd'hui vraiment dedans. Ah ouais. Gaycho. Pourquoi Gaycho? Gaycho, il a dérivé à Gaylor. Donc, mon vrai prénom, c'est Gaylor. Mmh. Tous ces Gaylors qui grandissaient, on l'appelait des Gaycho. Et je suis grandi avec ça. D'accord, donc c'est même depuis plus jeune. Depuis, bon, peut-être depuis, c'est moi culturellement qui ne connais pas. Ok. J'ai grandi avec ces Gaycho. Je suis allé jouer au foot, on m'appelait toujours Gaycho, mais Gaycho Adidas. Je suis allé dans la musique, on m'appelait Gaycho Spoon. Le spoon, là, c'est Ozan. Le spoon, c'est la cuillère. C'est la cuillère en anglais. C'est-à-dire en anglais. Mm. J'ai joué un grand rôle. La cuillère joue un très grand rôle dans la cuisine. Mm. Donc, il y a eu un balou la biloko, il y a eu un kabola, tout ça, et puis voilà. Et puis au foot, c'est voilà, celui qui pivote. C'est lui vraiment qui est au four au moulin. Exactement. Et j'ai joué un grand rôle dans l'orchestre de mon grand frère qui aujourd'hui était devenu aussi mon artiste étant comédien. Mm. J'ai joué dans son groupe Bel Canto, W. Et voilà. Et puis par après. C'est comme ça que tous ces noms ont surgi, quoi. D'autres de ton enfance, Pendant que je jouais au foot, c'était Gaycho Adidas. Ok. Quand je suis allé dans la musique, Gaycho Spoon. Je suis allé au théâtre, Spoon m'a suivi jusque là-bas. Gaycho Rocambole, Liverpool, Abu Dhabi, tout ce qui va avec, quoi. On va en arriver à la musique. Tiens, ça m'intéresse, ça, sincèrement. Mm. Parle-nous un peu de ton enfance. Quand tu aimes dans la famille? Chez ma mère, je suis 5e. Chez mon père, je suis 7e. D'accord. Ouais. Né, grandi? Je suis né, grandi à Lemba, je suis né à Lemba, grandi à Lemba, je suis allé chez mon père à Matete, là où j'ai fait mon école primaire au complexe scolaire Lukeni, là je salue tous les amis Lukenistes, donc voilà, c'est là où
C'est là où moi-même j'ai appris les têtes non professionnelles. Ouais. Parce que j'étais choisi parmi les élèves brillants qui doivent jouer les jours de la proclamation. D'accord, ok. Et puis voilà, donc je ne savais pas un jour que je pouvais faire du théâtre. Mm. Donc j'ai été peut-être l'enfant chéri de mon maître Ousmane, qui m'a donné des rôles principaux pour le jour de la proclamation. Mon papa était fier quand il venait à l'école. Il voyait mon année quand même. J'étais parmi ces enfants qui jouaient. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Mais alors justement, d'ailleurs de l'école, Guécho, il a grandi, il était comment à l'école? Turbulent? Oui, troubadour. On m'appelait le roi fou. Le roi fou parce que j'étais d'abord vraiment turbulent et puis provocateur. Mm. Mais quand il s'agit, pendant les heures libres, c'est moi qui dérangeais, donc c'est moi qui faisais des troubles dans l'école. Et on m'appelait le roi fou. Mais j'étais toujours parmi les trois premiers. Si j'ai négligé, j'étais peut-être troisième. Et voilà, on m'appelait maintenant. Lui là, c'est un roi fou. Il est très intelligent, mais... Il vous distrait, mais lui, voilà, il connaît. Lui, c'est bon. Mes amis sont fiers de moi. Ah, Guécho, c'est bon, ouais, tout ça. Mais alors, quelle était ta passion, Guélor, quand tu grandissais? C'était le football? D'abord, pas forcément le foot, j'ai dessiné. Oh. Beaucoup disaient que je dois aller étudier à l'Académie des Beaux-Arts pour faire la peinture, tout D'accord. ça. Et en grandissant, comme la Bible nous dit, l'homme ne se forme que de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui est accompli. Exactement. Et voilà, il y a d'autres choses qui s'est accompli dans ma vie. Donc, j'ai joué au foot, j'ai fait les judo, tout ça. Mais le destin m'a rattrapé. Moi, j'ai fait le théâtre par ricochet. Je ne savais pas que je pouvais faire du théâtre. D'accord. Bah alors, c'était quoi ton rêve de gamin? Si je te ramène peut-être 15-16 ans, tu rêvais de devenir quoi quand tu allais à l'école? Tu te dis, ah, quand je serai grand, j'aimerais faire quoi? C'est vrai qu'on ne fait pas tous le métier qu'on voulait, mais ton rêve de gamin? Non, pendant que je grandissais, j'aimais bien danser, j'ai dansé bien. Et mon papa me disait, toi, comme tu es un peu troubadour, tu dois aller à l'école militaire. Ouais, encadré. Ouais, tu dois aller vraiment à l'école militaire. Mm. Et pendant que je grandissais, quand je suis arrivé à l'école secondaire, la pédagogie m'avait beaucoup séduit et j'ai pensé aller étudier la psychologie à l'université de Kinshasa. D'accord. Et voilà, quand j'ai quitté chez mon père, je suis allé chez ma mère. C'est là où j'ai connu les présents Modéro, les Batista et tout le monde, les présents Macébé. Maintenant, j'ai les Junior Lusaoulou. Ok. J'allais vers eux comme fanatique. J'étais aussi coiffeur de Mouta Macébé. D'accord. Et demander des dédicaces. Il faut mes dédicaces aussi. Tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Et ils se sont disloqués, les groupes de Macébé avec Modéro. Par moment, Modéro s'est disloqué aussi avec les Douches et les Canto. D'accord. Du fait que moi, j'habitais le même quartier avec Modéro, je me suis dit, Baptiste qui viendra me dire, ah, Batoubaloum, pas Modéro. Déjà, moi, j'étais comme un comédien ambulant. Dans des deuils, je venais, j'interprétais les Siatoula, les Bombo Fifi dans des deuils. Non. Oui, j'étais fanatique du théâtre, j'étais fan du théâtre. Ah, d'accord, ok. Avant que je puisse vraiment le faire. Est-ce que tu es capable, là, juste en parenthèse, de m'interpréter un peu Siatoula? Et puis mes amis aujourd'hui en témoignent. Ah, il fallait que moi je provoquais moi-même des professeurs. Professeur, on fait sa cour, on commande un tableau. Voilà. Et c'était comme ça. T'as jamais eu peur du regard des gens, non? Donc, Okola vraiment ouvert, quoi. Okola très ouvert, Okola m'a tout mordu, Okola provocateur. J'étais vraiment très ouvert. Moi, je préfère. J'aime créer la gaieté. Là où partout où je suis. Donc, on a toujours la batte bébé. Et je rentrais dans les quartiers. Et je me suis retrouvé comme ça dans les quartiers. Il faut que le côté en groupe à Modéo.
nakenda ko bongo yé pe ndola na batéke destin de mutéme manga kuna pe nana ke no découvrir ouvrir ce qui voilà c'est que j'ai ce que tu as en toi voilà. Mais est-ce que Gaylor justement dit tamano vana na batou avant dit ça staff est-ce que c'était un fin séducteur? Est-ce que c'était un fin séducteur? Oh, à cette époque, oh, il y a longtemps. Est-ce que c'était aussi un fin séducteur? Généralement, on dit que ça part toujours de pair. Et t'as mon cas de pair. Ouais, pas forcément. Hein. Mais c'est ma question. La réponse doit être la tienne. Moi, je sais pas. Mais pas forcément. Donc, ben, c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Hein. Ok. Ouais. J'ai beaucoup aimé ces métiers avant que je le fasse. D'accord, ok. Donc, tu as eu le temps de connaître les failles déjà à peu près. Donc, voilà, c'est-à-dire que je grandissais dans la fanatique de groupe salon comme pas possible. Dans la film, il y a groupe salon qui est là. Ok, n'est-ce oh, ouais, vraiment, et Marta, beaucoup d'années. Donc, une histoire incroyable. Incroyable. Nyo Kabimi, na Katani, Kuna, Viona Moussou, le vieux. Stage dans la tête nationale, j'ai joué avec tous ces grands là, papa Kofi, ma sampou, voilà tout ça, bah violonnier surtout. Et pour clôturer la fin, c'est un rêve. C'était un rêve donc et puis ton à côté groupe à Modéro, na écoutez na toi quand na quand na bandila qui troisième fois na le diplôme d'état nanga. Ok. Pour na présenter. Mais on a un diplôme de la quotidien dans le groupe. D'accord. Moi, je suis au Junior, au Saoul, au Yaka, le gars, on peut faire des répétitions. Mais je voulais aller dans la télévision parce qu'il y a un groupe qui a un groupe de musique. Il y a un groupe qui a un membre de soutien. Il y a un groupe qui a un groupe de soutien. Mais on joue bien. Mais le bar a boué, 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 le bar a boué. C'est là où j'ai vu que il y a un groupe. Donc je dois aller il faut que nous apprendre kuna le ba roi bisanga il faut que nous moi aussi que j'aille là-bas connaître. Je suis allé à Batona comme kuna yepe mutayambanga banga ko ba blayer nga mais il y a télé mais non lui c'est mon ami tout ça tout ça. C'est comme ça que tu as pris l'envoi. C'est comme ça que na bandi ina ton bandi ina na tiki maman télévision na la télé populaire na tiki parce que na ina bana on dit manga tena ba prof ba blanga tu as une diction défectueuse donc voilà je parlais tu crois que tu parles français mais là on trouve que tu parles mal français, c'est ça. Pas une bonne diction et tout, voilà. Tu trouves que c'est important, Lina, justement, dans la, enfin, oui, de se perfectionner ou bien de faire une formation dans le domaine la vocation est nue si on ne la cultive pas. Il faut savoir cultiver sa vocation. D'accord. Moi, ma pasteur, Nzamba Bengi, mais c'est la théologie. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que à Lina, on ne forme pas des artistes. On vous aide à découvrir ce que vous avez comme talent. On aiguise votre talent. Ça, c'est très important. Parce que tu as la notion dogmatique de la scène. Là-bas, et c'est du moins, j'ai beaucoup appris à Lina, dans des ateliers, dans des tarmac des auteurs, un peu partout là. D'accord. Et ça, c'est que je comprends Oyo, ni Negro Luka. Et si je veux savoir, quand est-ce que tu as eu le déclic? Quand est-ce que tu t'es dit que je vais en faire mon métier? Parce que jusque-là, tu as aimé. Tu vas même jusqu'à te perfectionner à Lina, ok, no problème. Mais est-ce que quand tu pars déjà à Lina dans ta tête, tu t'es dit, c'est parce que je veux que ce soit mon métier? Exactement. D'accord. Parce que c'était un peu compliqué avec mon papa. Tu vois, ben oui, c'était mal vu le théâtre, ouais, parce que je voilà, sache. Tu vois, l'étudier du théâtre, bon, on va dire, toujours ma première, deuxième, tout ça, et puis on a autant à théâtre. C'est ça. Et moi, j'étais catégorique. Parce que on a trouvé, puis on a dit, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Il y a qu'on a découvert ce sens, parce qu'il y a un attendant à cinéma. Mais c'est par là que j'ai compris que oh, le théâtre, c'est encore parce que le théâtre, c'est la sommation de tous les arts. Le cinéma, c'est l'art total, la danse, c'est l'art de tout. Et j'ai tout appris là-bas, la danse, maintenant je faisais la danse, le théâtre et puis le cinéma. Mais on a vu que l'interprétation scénique. Mais on a décroché du peu maintenant dans la réalisation scénique. D'accord. Je suis metteur en scène de formation. Comme je l'ai dit dans ma présentation. Donc, voilà. Donc, du coup, il n'a pénandé la question que, ah, il faut. Parce que j'ai compris que si tu es un bon acteur, un bon acteur du théâtre, tu peux beau faire le cinéma. Mais c'est difficile que tu sois un bon acteur du cinéma pour que tu puisses aller faire du théâtre. Parce que le théâtre, il y a peut-être la règle des trois unités, l'unité de temps, de lieu et d'action. La manière dont vous jouez sur scène là, ça. Le théâtre, c'est l'art vivant. D'accord. Il n'y a pas de coupé action. Hein? Il n'y a pas de coupé action. C'est, okay. Donc, ah oui, c'est ce qu'on peut... les contacts directs avec le public. Okay. Donc, tu as gobé. Et puis, moi, mes professeurs me disaient, tu as la mémoire d'éléphant. Parce que tu as gobé le texte, tu as gobé les textes et puis tu interprètes.
C'est fort. Il y a une différence quand nous faisons au cinéma, nous improvisons des rôles. Mais là-bas, au théâtre, j'interprète des rôles. Interpréter, donc tu vas aller vers la vraisemblance. Et c'est trop fort. Eh bien, c'est presque un cours que nous recevons aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'entre nous, il existe. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Moi personnellement, c'est moi qui suis allé chez Bakoko là-bas pour tirer un bon à provision au moment de qui. Et dans pas longtemps comme ça, il savait ce que Bilo fait qu'il est pour quoi faire là-bas. Non, ma Bilo, vous allez congeler, t'es arrêté, Léo. Oui, je suis le fils cadet de cette maison. Toi, mais reviens. Toi, mais reviens. Mais c'est quoi? Pouvez-vous imaginer que Bilo, moi, maman, m'a pas envoyé. Là, on tire Bakoko pour un bon à provision. Et aujourd'hui, là, tant de grâce à Bilo, mais on a qu'à tirer Bakoko. Où est le mal? Où est le mal, Guichou? Vraiment, mais vous ne changez pas les choses. Je comprends où est le mal. C'est pas ta grand-mère. Moi, je ne refuse pas qu'il soit. De retour, mes chers téléspectateurs, toujours avec l'artiste du jour qui est tout autre que Gaylor Ngangwe pour les intimes, on va dire Gaycho, pour les téléspectateurs, pour ceux que vous préférez. Ça va? Oui, ça va. À l'aise? Oui. Dans mon parcours, Gaycho, tu fais donc l'INA, tu termines, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens toujours chez Modéro, ça se passe comment? Non, j'ai fait 2 ans chez Modéro et puis j'ai quitté. Et puis tu es parti? Je me suis adhéré chez Modéro en 2004. Mm-hmm. J'ai quitté en 2006, j'ai créé directement l'agence qui ne tient pas comme les autres. En 2006. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, il y a 7 ans. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as gagné chez Modéro? Dans ce groupe plutôt? J'ai bénéficié aussi de l'expérience parce que des fois, quand je me suis adhéré chez Modéro, étant apprenant, je venais vers lui à chaque fois, continuer ma question par curiosité. Président, Ponajouaka, Otouvangandeni. Toi, tu es déjà dans les bons. Voilà, et puis, il y a un chef déjà. Pour moi, je mérite 2 ans dans la salle. Je suis en même temps qu'on jouait 4 rôles. Il y a comme ça, chef à discipline, et chef à répétition, directeur à programme et puis secrétaire à groupe. Alors, tu crées toi-même, tu as dit en 2006, mais quelles sont les premières difficultés? Colle-nous ces premières difficultés avec la réalité du Congo en 2006. Parce que quand on en revient en 2006, le monde théâtral a déjà changé. On est déjà au DVD, on est en plein dans l'inzonzing. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes qui se démarquent dans la ville, mais en réalité, l'inzonzing prennent aussi de l'explosion. Entre les Major Bissa Didi, Titi Kalou, chacun vient avec créer un peu son groupe. Enfin, prend des acteurs et les fait jouer. Entre-temps, le groupe Évangéliste émerge, le groupe Sinark émerge, le groupe Simba émerge. Donc, enfin, tout ça, il y a toute cette guerre-là. Pourquoi toi, tu t'es pas dit que je m'insère quelque part, lui, t'es n'a créé? Ben, moi, je. Nalinga qui, je me suis dit, Nazal un peu indépendant. Ok. Nazal indépendant, n'a dépendant la batouté. Et Nalinga qui, pour la kende vers le Nzunzin, Batupenda, il faut le voir que Baz a convaincu qu'on doit l'appeler que Aya rejouer. D'accord, ok. Parce que la plupart des gens, bah, il allait vers le producteur pour demander à Mande, Bakoti Saye. Je suis parmi ces artistes, ces artistes-là, ce Bazalé Bélé, on a parmi, bon, on a 5 ans dans la zone d'ingté. On a bondé dans la zone d'ingté. On a connecté le problème au Bouna. C'est-à-dire que Batu Bélé, OP, na bandai, na couteau, na couteau, tu as bandi succès. On a eu succès dans la zone d'ingté avant. Ouais, ouais. Notamment. Bah, en sixième, bah, on a eu une richesse. Pour ça, il peut succès dans la carte de Bakin. Dans le groupe Modéro. Et Gaycho, Président Gaycho, Kota Bina, chou. Et même si on a eu un grand mot, c'est Ben Sabi Sopenda Kuna. Et ça, il y a eu succès dans la carte de Bakin.
ton long pour me présenter mon dieu tout cabouani à suivre caille au coma film en zone ding mais ce que au choca est déjà au choc na choca qui est ouais na bah il ne pouvait pas le monsieur ce gars il sera gana bah oui na babilo mais déjà na départ étant long avec un couple avant à même gana bako pour mon ban zone ding mais bah tout cas de vous faire ce que moi gai ah nani président long déjà long pour nous que mon dieu soit caille à alpha bokole avec Kiri Bisson la Bisson. Oui, oui, très bien. Bah, film est belle, fouli, baninga belle, moussou, n'a pas quitté. Et puisque ton gars, bon, on a commis, pendant la cotine, on a cotine, missanana, je me suis dit, bon, je dois laisser la télé, na se pencher plus ina. D'accord. J'avais voulu, j'avais une démarche, n'a pas un ami, moi, alors je vais dans le groupe à présent, Kanto. Jean-Pierre Kafouti Populos. Il jouait très bien, et puis ina, ina. Il y a des gens qui ont une star à la télévision, ils ont une chic, ils ont une chic. Mais si on a une, ils ont une chic, ils ont plus que une chic. Et comme il y a des films, ils ont dit ah, je dois laisser la télé. Comment ici, à l'INA, le professeur, il y a une chic. Et il y a une chic qui s'impose à l'INA. D'accord. C'était une démarche pour moi. Et je me suis imposé à l'INA. Et comme il y a une journée, il y a une réflexion, il y a une kuna, une journée scientifique. Et c'est des gens qui jouent avec les amis, tout ça, tout ça. Tant que au professeur Namo Elba, c'est un blanc. Je suis au spectacle, je joué à Mimon Roubois, dans sa mise en scène, on jouait. Tant que Talina Sis n'a quitté Abnanga, je te vois maintenant dans la porte du professionnalisme. Bravo, c'est ce que je cherchais. Tant que passé deuxième, deuxième pour la troisième, dans la cour interprétation dramatique, idée, prof Nze Ayotalanga, Abi, cet garçon, il n'abusait pas, il a une mauvaise diction. Sa diction est défectueuse. Mais j'ai fait une recommandation. Laissez-lui passer des classes. Il a quelque chose dans le ventre. Abi, tu viendras passer ton stage chez moi. C'est là où j'ai appris une bonne diction. Abi, pour avoir une bonne diction, il faut avoir l'orthographe de tout ce que tu dis en tête. Exactement. Et si c'est par là qu'il a compris qu'il m'a mis la diction. Et puis voilà, c'est parti. Attends, c'est un mentor pour moi, Ndzei, et puis sa majesté Moni. Voilà. D'accord. Mais alors justement, pendant cette période-là, parce qu'on peut dire que c'est quand même une période assez difficile, parce que toi, tu te concentres. Or, tu pourrais suivre ceux qui sont déjà en train de courir après le succès. Ouais. Mais maintenant, quand tu les vois quelque part, dis-nous intérieurement, quand tu les vois, ils évoluent. Bah, on parle de partout. On réagit comment à cette période-là? C'est dans le passé. Des fois, par moment, ça m'inquiétait. Hein. Ça m'inquiétait beaucoup longtemps. Est-ce qu'il place dans le zoo? Donc, c'est-à-dire, il y a une narration, il y a un principe, il y a vie. Bien, il y a un amour, il y a un ok. Nabi, tu sais, dans l'art, il n'y a pas de la place pour ceux qui viennent après. La place, on les crée. Pour que tu sois accepté, il faut créer ta place. Ne te force pas. Je te prends l'exemple, Ferrego, là. Donc, c'est là qui. Home acoustique, mais tu sais, avoir un affilé, Fabregas, Ibrator, tout ça. C'est-à-dire, bon, Sengeli, faire comprendre qu'il existe, les Ibrator, c'est-à-dire, ils se sont créés une place. Exactement. Moi, je m'étais dit, je dois me créer une place et que mon Kili Ndimanga. La preuve, tant que moi, mon vent, il y a une zone qui y a une CD. Tant que dans mon internet. Et il y a sous les colos, il y a une chaîne qui est SPL, ça. Et c'est pour ça, nous, on passait tous là-bas. Oui, de Natakaza. Ouais. Je suis le premier révolutionnaire. Ouais, on était même à moi. Non, on nous exploite. Je aux amis pas... révolutionnaires, et toi, il y a la révolution. Ouais, les gens ne m'ont pas compris. Oh, deux choses, on a compris. Non, là, non, ça passe pas. On ne s'est pas bien entendu avec la dame. J'étais rejeté. Moi, j'étais rejeté par les comédiens. Ouais. Il y a que Douche et Kalunga, ne pas comprendre. Non, là, la Gueshokuna, Osakop, et ça. Et puis j'étais aimé par cette dame. Ouais. Hein, donc, mais peut-être là, c'est une divergence d'idées, celle qui est aussi comprendre. Nous avons ça en disant. Bah, pessimiste, ma vie, que Gesho tourne sous film, et c'est pas ça. Bah, comme elle dit, bah, comprenez, bah, c'est bah, dit, mais bon, mais du chat, mais on calonne, non pas, calonne pas longue, rachène à ton cas dans longue, tout qui n'est presque les mongana, et on te. Même dans la chaîne YouTube, on a dit, tu sais, ce chaîne YouTube, n'a créé ce qu'on rocambole, n'a défi. Oui. Je dois créer quelque chose qui peut faire parler les gens. Et voilà la création série au Cambol. Paf et Bandi. Deuxième acteur en zone à côté de Zagadouchi. Allez, la série continue. Jusqu'à nos jours. Et le personnage est poursuivre la vie normale. Donc, si je. Gesho au Cambol, voilà. Mais c'est. Je l'ai puisé dans un roman écrit par Patton du Terrail. Comprendre les aventures au Cambol Expo. Ouais. C'est là où j'ai puisé. Parce que ça, on écoute ça, 1880, c'est l'histoire comme qui nous ça, rappelle toujours... exactement. Mais plusieurs personnes l'ont adapté à leur manière. Moi aussi, je l'ai adapté à la manière quinoise. Et puis voilà. Et c'est parti comme ça.
Et alors justement, le fait que comme tu dis, et c'est parti comme ça, les années, les périodes YouTube. Ouais. Alors c'est là où peut-être l'étranger, tout le monde découvre vraiment, c'est là où tu as soit ton talent. C'est là où tout le monde le découvre au grand jour, je peux dire. Parce que ça restait quelque part quinois, comme tu l'as dit avant, c'était plus ça, voilà, qui, oh les kababi, gecho. Mais après, quand ça prend quand ça s'étend partout, excuse-moi, je perds mon français, quand ça s'étend partout, tout le monde te découvre et apprécie l'artiste. Je me pose d'abord une question avant qu'on en arrive au succès. D'où tu puises ? Pardon ? D'où tu puises tout ce que tu nous sors ? L'inspiration, elle est divine. Dieu inspire tout le monde. Dieu inspire les magiciens, tout ça. C'est question de garder l'authenticité de ton inspiration. Mmh. Moi, quand on m'inspire comme ça et quand on me distribue, je peux poser trois fois la question. Mmh. Ici, je fais quoi? Il faut bien m'expliquer. Mmh. Pour que n'a rendre un go, n'a rendre comme il se doit. Et puis voilà, donc moi, c'est Dieu qui m'inspire. Et puis, tel que je me promène là, je me promène dans un studio, j'enregistre tout ce qui se passe autour de moi. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Okay. Oui, c'est comme ça que moi, tel que je me promène dans un studio. Mmh. Tel que je parle avec toi. Je peux t'interpréter et puis dans sa émission le Guayo. Ou ni ma coûte. Ah, je te mets au défi. Mmh. Ben oui. Je le fais comme ça. Je suis interprète. Mmh. Donc je peux faire le journaliste, je peux faire le chroniqueur, puis voilà, ça passe. Tout à l'heure, on a extrait ton Mekamou. Ben oui, on peut essayer toutefois. Et puis ça passe. Très chers fidèles téléspectateurs de partout dans le monde là où vous nous suivez. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. Et puis voilà, ça passe. Ouais. Tu sais, ce qui est beau dans l'interprétation, c'est ça, c'est qu'on est capable de capter, c'est ça, hein, exactement, de capter exactement. Un simple signe, on se l'approprie. Ouais. Gecho. Ça c'est moi, je suis interprète des formations. Alors justement, quand est-ce que tu as commencé à mesurer que, en fait, tout ce que tu fais, que le succès a augmenté? Quand est-ce que tu as commencé à sentir les effets du succès au Izakake? Aujourd'hui, tu passes plus nulle part comme ça. N'importe où au Koleka, ah voilà Congo, on t'interprète, ah Gecho, ah boss, ah artiste, c'est comme ça. Mm-hmm. N'importe où au Yebikata Lelo, tu arrives dans un pays où il y a de la diaspora et ça n'a pas n'importe où. Gecho, tu sais que directement les gens se retourneront, s'arrêteront, demanderont photo, autographe. Quand est-ce que tu as commencé à voir ce succès grandissant au Banico, sentir que vraiment là c'est trop? Ouais, c'est ma pièce face B. Ok. Ouais, je l'ai écrit moi-même dans la Banico d'Internet parce que. Tant na yever nana takaza naibsi naibsi que na comme moi j'écris aussi des films. Elle a douté de moi. Avec non on a vu qu'elle jouera bien déjà n'importe où je vais filmer va m'enner et tout ça. Elle a douté de moi et ça m'avait choqué. D'accord. Bon, je peux écrire mon film et puis j'ai réalisé mon film et puis je te le vends. Ah bien ouais, ça peut passer. Mais vous ça se fasse bien un défi. Ok. Moi j'ai fait des choses par défi sur Boboinga. Donc ça on a défi. Mais tant qu'on a la douche, j'ai dit que j'ai dit oh, yo ni ma bat, mais sous au beau idée, choc, on m'a filmé pas na yo. Mais yé pe batte belé, ba consulta, yé pe na ba filmé na bango. Ah, yé au ben nab, je viens de parler avec douche, ben si moi si film non, nab na si si na on monte en haut, on a si na pessi, bijou, ilondo, on déconne. Yé mémé, les gouna yé sabi, eh ya ya. Le film à garçon, on a tous vu, obi qui na tali en haut, na checké en haut, c'est un très bon film. C'est pas là qu'a eu confiance nanga. Ton film en est bimi, na mou ya pibli abi. Chose qui ne se fait pas sur SPLSA. Plus de 100 000 vues dans 2 semaines. Merci à Douche de m'avoir monté. Merci à Douche de m'avoir montré Gecho. Une publication comme ça. Et ça a qui tolé. Ah, filmé Gecho face B. Ils ont filmé. On a tout le monde, on a une belle vue. Yasmine, l'eau, on a dans la photo. Et tout ça, tout ça. Alors, est-ce que c'est ça la deuxième saison? Avant ça, la deuxième saison, permettre de lancer le film même après la mort. Et c'est le premier film où il y a sous-titré dans SPLSA. Il y a ce qu'on a un peu de conflit, comment tu peux te sous-titrer mon film sans mon consentement, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on a commis deuxième production, tu peux te faire un talango, tout ça, tout ça, et comment moi, problème de bébé. Mais toi, tu es lombé à lobby. On a eu un lobby, tu es lombé à lobby, tout ça. Tu aimes ce genre de commentaires? J'adore parce que Baza va m'aider à la suivre. Ils m'ont beaucoup inspiré. Je suis dans les cas d'école à Modéo. Maintenant, il y a un modèle ici. Il y a Bodo, il y a Belombe. Et quand tu repenses au groupe Salongo, tu as dit tout à l'heure que tu t'en étais inspiré à l'époque. Tu vois qui, au Monakake, tu aimais son rôle masculin. Mais Elombe, vieux Massasi, les vieux Elombe, mais n'habitez.
Ma vie, on a inspiré comme. Mais je ne savais pas que je pouvais faire du théâtre un jour. Ok. Mais ils ont un groupe, Nathalie, Net Oebangaye, Nani, Bomengo, Alamou Naboutou, Aïssa Inga, Mobali Nanga, Alamou, on a trois PC. Quelle mise en scène, quelle magistrale mise en scène de Tite Nissan. Déjà à cette époque. À cette époque. C'était un monstre, ce j'ai été vraiment séduit par cette mise en scène. Et puis ça m'a fait peur. On a dit, banga. Non, c'est trop fort. On a collé sur le logo, moi, Marc. Oh, je ne savais pas que. Et puis, personne ne peut s'en passer. Personne ne peut s'en passer. C'est pour nous un modèle. C'est pour nous un modèle. Il a l'art de former. Et ça, c'est les côtés positifs que j'ai aussi. D'accord. C'est-à-dire que je suis déjà pédagogue de formation. Et tu sais voir une bonne recrue, c'est ça? Voilà, on a dit que, ah, oh, il est pénal, il faut tourner. Donc, on va plus sur un casting. Non, je sais pourquoi. Il y a un peu. Non, pour sa fille, on a Yasmine Lokoy. Alors, je vais pas épouser l'homme. Mais Mani Boulou Balou, j'ai un numéro. Et avec elle, tout ça, deux films, et moi, on a vendu une épée. Deux mois, on a tout pack, on a vu tout pack, tout le monde va petit, on a vu Boda. Et puis voilà, tu vois, on a Manu, donc tout ça. On a open, on a eu une école, on a eu une gécho, puis ça, Makamobele. Donc, c'est un peu ça, on a eu. Dans la interprète le quoi Bodo. Mais être formateur, le Elombe. Elombe. D'accord, le défi est grand. Le défi est grand. Alors, tu étais une personne lambda hier et une vedette aujourd'hui. Comment Gecho gère le succès? Gère son succès? Ouais, j'ai mes deux pieds sur la terre et la tête sur les épaules. Réellement? Parce que les succès, je l'ai dit, je conseille à mes artistes. Les succès passent. J'ai leur demande de ne pas chercher le succès. Parce que ceux-là, ils n'ont pas ça, ils n'ont même un succès dans mon tour. Mais là, c'est vrai que vous s'est penché quand la maman qui était parce que déjà, j'ai là qui m'a bien raconté au Kuna, tout ça. Mais je m'étais dit, je dois aller apprendre, je dois aller chercher les savoirs. Car le succès passe, les savoirs restent. Reste. Donc le savoir est plus au règne. Et érotique, mais l'homme est le succès dans la moitié. Le bavard est dans le règne. C'est clair. Voilà, ils sont là. C'est clair, les gens. Voilà. On remarque que c'est une école parce que Vemassoum il a fait aussi Lina, président Lombé, tout ça, président Bordo. Bisous, tu es quoi emboîter les pas. Et il y a un tout bien avoir un modèle. Mais tu l'emboîtes, visiblement, tu l'emboîtes bien. Tu l'emboîtes plus que bien. Gecho, la concurrence. Tu vas pas me dire, tu sais, quand vous êtes dans du théâtre où, comme les gens le disent, tes prédécesseurs qui sont venus, qui se sont assis au même siège que toi, on dit Ingrid. Ils ont la zonding, ils ont la même qu'on se rencontre. En vérité, c'est pas facile. Bien sûr, il y en a d'autres qui peuvent avoir leur guerre d'esprit. Bien sûr, il y en a d'autres qui veulent se dépenser plus que d'autres. Gecho, la concurrence, tu la gères comment? La concurrence? Il y en a forcément. Avec qui peut-être? Je t'en supplie, arrête. La concurrence est... Loyale, je ne dis même pas... Elle est loyale déjà au départ. Prisonniers, ils ont la haine, ils ont la. Non, quand je viens pour jouer, je me dis, je jouerai, c'est comme si c'est le dernier film que je fais et puis je dois partir. Peut-être que je pourrais aller mourir. Tu viens toujours avec cet état d'esprit? C'est avec cet état d'esprit. Donc le film que je laisse, que les gens doivent parler de moi, c'est ce film. Voilà, tu vois, c'est ça ton mindset, ok. Donc, celui il y a une version à tourner, à table, on peut se faire deux tableaux. Donc, on peut deux séquences, je dois laisser des empreintes. Donc, la séquence, c'est dans la onatique. C'est question de bien m'expliquer mon rôle. Des fois, tu as tout là, j'ai une situation, on peut se faire un briefing bien. Je dis, comment tu ne m'expliques pas bien? Explique-moi même le passé du personnage, je dois comprendre comment il est arrivé jusqu'ici. Explique-moi. C'est-à-dire que je dois m'approprier le personnage. Parce que là, on a compte qui est. Il faut s'ensorceler du personnage. Il faut l'attirer. Il faut la pumboa. Il faut la cotiser à la tanga. Parce que dans le Senzoto, il n'existe pas. Ton personnage, c'est une personne fictive à qui l'acteur ou l'actrice prête son corps pour y aller au bas, pour y s'exprimer. Dans le Def Senzoto. Parce qu'il faut la. Il y a un caractère psychologique et puis physique. Comment il parle, comment il rit, tout ça. Ouais. Bien que les impros, tout ça, il y a des autobacs. C'est bon parce que je suis sûr qu'après, il y a des bacs ici, il y a des bacs ici. Je suis sûr que tu as des bacs ici, il y a des bacs ici. Et voilà, tu as placé dans le théâtre pendant les rôles.
Oh, je sais que tu avais dit là, ça m'a épaté. C'est la vie, c'est l'expérience de la vie. Mm. Voilà, et on va avoir une vie, il faut connaître un peu de toutes les choses. Quels sont les freins du théâtre congolais d'aujourd'hui? Les freins. Empêcha Kango, selon toi, qui occupe tous les postes, metteur en scène, réalisateur, acteur, donc producteur. Aujourd'hui que tu sais, donc tu es un professionnel avéré qui sait ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas la politique culturelle dans les pays. Okay. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand nous parlons de la politique culturelle, la culture c'est un mode de vie d'une nation ou d'une société. Et l'expression vivante de la culture c'est de l'art. Arango Skonambo Kesa considérité. Les artistes se sont abandonnés à leur triste sort. Nous sommes orphelins dans notre propre pays. On ne peut jamais avoir un développement du pays sans pour autant passer par la culture. C'est la culture qui vend le pays. La justice élève une nation, mais c'est la culture qui vend le pays. Oui. La politique divise, mais la culture unit. Même la politique se retrouve dans la culture. Et c'est très important. Nous avons plusieurs fois la même mission. Ce n'est que la culture. Il y a des secteurs intimement liés au Togo. Le mot cannabis, il faut comprendre les sangisango, c'est secteur culturel et touristique. Mais comment ne pas avoir la politique culturelle dans les pays? Regarde, tu vois là où nous sommes. On a remarqué la construction nigériane. C'est la manière dont les Nigérians ont vendu leur pays. Exactement. Au moins, on a mariage, même la façon dont ils s'habillent à marier, ils s'habillent à la manière nigériane. C'est comme ça qu'ils ont vendu leur pays. Mais qu'est-ce que le Congo vend? Qu'est-ce que le Congo est tenté de vendre maintenant là? Nous devons comprendre ça. Nous devons bien vendre les pays. Je prends l'exemple des Amenga Batugezan, un grand écrivain, il a écrit un croco à l'ouzi. Tous ces blancs qui quittaient l'Europe, qui venaient à Kinshasa, ils cherchaient à aller voir l'ouzi. C'était une manière pour lui de vendre son terroir, qui est l'ouzi. Le Congo a plus ou moins 450 ethnies. Et dans ces ethnies, il y a des sous-ethnies qui nous font 900. Donc ça fait partie de la culture du pays. Exactement. C'est pas que Kinshasa. Ils vont aller voir la culture des Yabatombandaka, Kisangani, tout ça. Raison pour laquelle j'ai écrit, nous écrivons un projet Unité culturelle congolaise qui sera par après sanctionné par un grand festival national culturel pour rassembler ça. Parce que le pin dorsal de ces projets, c'est le théâtre. Le théâtre, parce qu'il y a un théâtre. Mais le théâtre étant la sommation de tous les arts, et on est sanctionné surtout. Mais on va essayer un peu de. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas aussi une part de responsabilité? Je donne un exemple. Comme tu viens de le citer au Nigeria, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, les artistes, même les Ghanéens, eux-mêmes, les artistes sont aujourd'hui eux-mêmes les producteurs. Exactement. Ils se sont mis en place. Est-ce qu'il n'y a qu'un problème au niveau étatique ou bien vous aussi, vous avez quelque part une part de responsabilité? C'est-à-dire que aujourd'hui, on a reçu aussi trop de parvenus dans ce monde. Bien qu'il n'y a pas la politique culturelle, n'a revenu ce qu'on a vu sur mon point. Ouais. Comme disait John Kennedy, le président des États-Unis, si la mairie n'a rien fait pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour les États-Unis? Aujourd'hui, voilà, tu vas remarquer les films que nous faisons aujourd'hui avec Meba Bellevue, Basila, Bissomoko, Bobo, on emboîte. Tout ça, Nigeria, Babanda Bongo. Babanda Bongo, après, le gouvernement a compris. Aïe vers Bango. Pour appuyer. Il y a plus de 600 millions. Exactement. Ils sont sur Netflix, ils sont sur toutes ces plateformes. Un peu partout. Et puis les Congolais ne comprennent pas. Explique, question il y a mentalité. Question de comprendre qui tu es. Mais qu'est-ce que je pourrais en profiter aussi? Non, termine alors. Ouais, tu dois comprendre que je suis qui. Connais-toi toi-même. Tu dois te connaître toi-même. Parce que les gens viennent nous exploiter comme pas possible. Mais quand tu dis ça, moi je me dis que j'avais applaudi une structure qui est venue sur le groupe Canal+, par exemple à Bokeh Télévision, pour justement, comme il avait dit à la cérémonie où moi-même d'ailleurs j'étais présente d'ouverture, qu'on voudrait accompagner les artistes congolais et les pousser pour qu'eux aussi soient vus de partout. Alors comment se passe cet accompagnement? Mais non, c'est inconcevable. Moi je trouve que, moi j'ai dit ma Bokeh TV là, je trouve que c'est l'arnaque du siècle. Ça ne m'intéresse pas trop. J'étais là. Et les amis artistes savent. Ils savent de quoi je parle. Je l'ai dit à plusieurs fois. Mais on parle de visibilité. Mais non, on n'a pas besoin de cette. Ils sont venus nous chercher. Ils savaient bien que nous avons la visibilité. Ils doivent mettre du paquet pour les artistes. Les artistes doivent se retrouver. Accompagner les artistes. Vous vous retrouvez, les artistes aussi se retrouvent. Ils savent bien la faiblesse des Congolais.
et que les Congolais ont besoin de la visibilité, beaucoup, parce qu'on a resté trop de parvenus. Mais peut-on pas se servir de cette visibilité pour qu'après ça attire encore et que maintenant... Mais ça doit attirer, ça doit être gagnant-gagnant. Ça doit être gagnant-gagnant. Nous, on ne sera pas des perdants peut-être. Ne venez pas peut-être... Ils doivent aussi nous produire. Faire la coproduction entre nous. Ah d'accord, donc c'est de l'autoproduction et ensuite c'est vendu. Mais c'est-à-dire que nous les vendons d'abord les œuvres que nous avons déjà réalisées. Ok. Voilà. C'est ce qui a donné de l'audimat à Bamboké Télévision. Ouais. Mais c'est-à-dire que, est-ce que nous sommes bénéficiés de ma monde? Moi, personnellement, déjà, je n'ai pas de panneau de manière gratuite. Je n'ai pas de panneau. Tant que ça lancement, je refusais. J'ai dit non. Non, donc moi, on doit me payer. Et c'est par là. Le problème est la place. Voilà. Et puis voilà. Donc, ce qui. Je parle de moi. Je veux. Oui, c'est un avis personnel. Vous savez, des fois. Les gens ne m'ont pas compris. Et bah genre moi comme Ozoya, nous devons faire un bloc. Ok. Décider dans l'ensemble, dans notre corporation, si les gens viennent vers nous, on dit non. Dans bah genre projet moi comme il y a quand on a bien bâti c'est belé. Bah sur l'angle des gens non on ne travaille pas. Et puis ils sont partis. Ou soit ça passe ou soit ça casse. Les artistes doivent bénéficier. Ma Bokeh TV c'est un programme sur Canal+. Les artistes qui doivent défiler là-bas doivent aussi se retrouver. Ok. La thématique déjà de la chaîne Mabokéti. Tu sais, qui est Maboké? C'est aussi un artiste qui a eu à faire son temps sur le théâtre radiophonique. Le vieux André Maboké. En fait, il y a un euro, c'est qui ça? Il y a un euro, c'est qui ça? Soit vous avez dit, Maboké. Mais ce n'était pas une insulte, je ne sais, j'ai dit non. Parce que moi, on va dire, on va te maboké, on va te maboké. Parce qu'on va dire, aujourd'hui, quand on parle des artistes au Congo, les gens ne voient que le musicien. Si vous parlez des artistes, non. Même la Bloba Sokoda, les artistes et musiciens sont nombreux. Malgré qu'ils se plaignent aussi, mais du coup. Même ça, il faut que je recouvre moi, ça, il faut que je recouvre surtout. La Sokoda doit travailler en collaboration avec le ministère de la Culture. Ils doivent vraiment éclaircir bien les choses. D'accord. Parce que tu es Bakéto, comment est-ce qu'on gagne? Consulter aussi des organismes internationaux. Est-ce que Babylon a ce contrat-bétable? Afin de savoir. Comment est-ce que nous devons bénéficier de tout ça? Tout maintenant, on va réfléchir ensemble. Est-ce que c'est un aujourd'hui, je suis le président et la dynamique des artistes et des culturels du Congo. J'ai été voté par les artistes. De toi, le président Elombe, Makalunga, nous avons notre porte-parole d'Acosta. Tout ça, nombreux. Aujourd'hui, notre Gingombe, Marie-Jeanne, les gens ont compris cette vision. Cette dynamisme, on a tout le monde, dynamisme. Pour changer les choses, même si vous êtes minoritaire, vous pouvez aussi renverser la tendance. C'est ça les grands soucis pour nous. Que reproches-tu au théâtre congolais, Yalelo? Des fois, il y a dit n'importe quoi. Il y en a beaucoup au Yébi, tu n'es pas censé ça, ignorer qu'il y en a beaucoup qui ont même refusé. Il y a côté à la cas des fois de certaines chaînes parce que c'est redondant, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, justement, il y en a un rôle, il y a président. Guécho, Bobet et Lakango, c'était. Ouais, puis ça, avec vous devez avoir un devoir quand même. Avec dynamisme auto créé, on est il y a surtout une abysse, on ne sait pas pour ça. Surtout quand on change peut-être présent Elombe, Mikolo, nous surtout, pour nous ressouler sur Maman Kambouana. Tout le monde va faire voir certaines choses. Il faut une notion éthique et déontologie artistique. Exactement. Il faut comprendre c'est quoi l'éthique et la déontologie artistique. Beaucoup sont venus dans le théâtre, beaucoup avaient vu à un moment donné comme une lumière, un endroit où je peux me vendre et puis je peux partir. Voilà pourquoi beaucoup refusaient de Yakoko Telangoukour, même de faire des formations. Comme le disaient certains, tu peux des fois ne peut-être pas la Lina, mais comme tu l'as dit, tu t'inspires d'Elombe, tu y vas, mais on te forme. Un professionnel n'est pas celui seulement qui a étudié Lina. C'est un ça. Un professionnel est celui qui vit de son métier et qui soigne les détails de son métier. C'est celui qu'on doit appeler professionnel. Et là, quand on va en Lina, tu peux passer dans le recyclage. Et puis, donc, tu vis de ton métier et que tu soignes les détails de ton métier. C'est, attention, nous avons des comédiens et des acteurs. Qui est un comédien? Un comédien est celui dont sa profession est le théâtre. Okay. Mais il y a aussi des acteurs. C'est lui seulement qui vient prendre une part déterminante dans une action. Voilà, on te considère comme acteur. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et ça passe comme ça. Nous ne voulons pas que. Et comme l'habit sous gâchis. Et tu galvaudas qui t'en a bisogné surtout, mais n'attends autre, et qu'on y est, et ça la regrette qu'on a lobby.
Est-ce que tu as aussi souffert, tu as dû forcément, est-ce que tu souffres encore de cette image qu'on colle aux comédiens? Je m'explique. Tu sais, comme on dit, il y a la moko et pour ça, tout le reste. Tu sens, hein? Ouais, je sens. Ouais, donc, du coup, qui prennent les comédiens, mendicité. Tout ça qu'on colle, tout ça de négatif, on va coller la cartiste. Tu en as souffert? Ouais, beaucoup. Beaucoup, pourquoi pas. Étant artiste, ça va succès, moi, au sein des. Et comme là, c'est une raison pour laquelle je me suis marié. Donc parce que je n'ai pas voulu faire du théâtre pour un succès à Bassi à Poto. Tu dois faire le succès pour ton travail. Les gens doivent apprécier ton travail. Oui, moi si je suis à Poto, c'est pour la TV, aux Amakolo Arke, aux Agécho, aux tout ça. Oui, ça peut arriver. Mais moi j'aime bien que tu apprécies d'abord ce que je fais. Agécho, tu joues bien. Moi ça me détend. Ça me fait plaisir à apprécier d'abord Moussa Nanga. Et le reste, ça vient après. Eh, aux âmes arquées et commis matabissi. Ça vient par-dessus. Tu es excellent. Quel est le moment fort de ta carrière? Le moment fort de ma carrière. À ce jour, pour une civilité. Ouais, parce que l'année passée, j'ai joué devant les théâtres, devant le président de la République. C'était pour le compte de l'Union africaine. C'était un grand plaisir avec le théâtre national. D'accord. Et une saison au Congo écrite par Aimé Césaire. D'accord. Par Aimé Césaire, je me souviens, oui. J'étais trop fier de moi-même. Jouer devant le président de la République. T'as plus cette frousse-là? Ou bien on dit même que si un artiste n'a pas la frousse, on a un artiste été. Métier. Ah, donc ils ont la frousse. Donc, ça nous arrive des tracks, ça arrive des fois avant de monter sur les scènes. Il y a des techniques de la scène avant où l'homme sur Matasso au Yokiango. Voilà. Puis l'homme sur au Kangipema. Il y a des années. Ouais, un gars, l'homme sur qu'on appelle le Boumelekinga. C'est une palpitation quoi. La canica après un moment, quand je me détends, quand je monte sur la scène, il faut se péter la naille. Les avantages de la vie d'artiste. Les avantages d'être guéchou. Ouais, le cinéma rend l'homme citoyen du monde. L'âme du peuple. Je suis devenu citoyen du monde. Partout où je passe, où je voyage, les gens t'apprécient. Ah, ça c'est guéchou, guéchou. Ouais, voilà. Et ça c'est l'avantage. T'aimes ça, hein? Nous entrons dans la banda Kouyabatu sans pour autant toquer. C'est clair. Voilà. Est-ce un métier qui rémunère Guécho? Pas forcément, mais oui, parce que Nazo Nabetilango c'était. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de ces métiers, je suis opérationnel culturel. Je suis le vice-président du centre culturel de Lemba. Ouais. Chargé de l'administration et finance. C'est pour ces métiers. Métiers où on peut nous faire. Dans le la Mondaku, ils ont beaucoup de langues moi-ci, moi-là, et tout ça. Voilà, avec le peu, mais c'est pas suffisant. Il y a un autre Mounda, parce qu'il existe la loi sur le métier d'artiste. Il faut se vulgariser, quoi. D'accord, ok. J'ai parlé avec le papa, son excellence Mayo Mambeke, et j'ai soumis ces problèmes. Il faut faire vraiment des plaidoiries sur cela. Il faut la voter dans le Parlement Kuna. Balobelarango, maman, la loi sur le métier d'artiste. Et c'est très important pour nous. Vous avez vécu un temps fort d'ailleurs. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je sais que les blessures n'ont pas cessé de s'affliger avec la perte d'un artiste légendaire comme Coco Diocco et aussi Suzy Bantou, une collègue que vous avez eu à perdre, où d'ailleurs tu étais dans ces organisations. Et justement, par rapport à ça, quand tu vois. Je parle à l'artiste que tu es et à l'humain aussi que tu es. Quand tu vois que pour un événement difficile comme celui-là, c'est-à-dire la perte d'une collègue, amie, artiste que vous tous vous connaissez, qu'il faut qu'il y ait autant de bruit autour d'un deuil. Et là, peut-être je peux retourner à ceux qui font de la télévision à travers Internet, qui vulgarisent pas toujours le bon message, qui ne font pas passer toujours le bon message. Comment tu vis ça quand tu vois que des cotisations qui doivent sans doute peut-être rester privées parce que c'est votre corps à vous artistique, c'est vulgarisé comme ça, la place publique, ça commence à se demander qui a donné plus que l'autre et qui a fait ci. Tu réagis comment de ces deux parts, de ces deux casquettes que tu as? C'est le côté imbécile des comédiens, des artistes comédiens congolais. Le côté imbécile, c'est déplorable. Tu sais, la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est ce que Dieu a mis en vous. Mais la bénédiction engendre le matériel. Si vous voulez faire la télé, vous pouvez discuter. Et puis,
que ça dit tout l'internet, oh, tu as 10, tu as 20 dollars. Nous, c'est la cotisation qui nous importe le plus. Nous, tu as 2000 francs. Ça, nous, ça nous importe plus. C'est-à-dire, il a pensé à cotiser. Et c'est ça. C'est ça. Au moins, il a mis. Il a... Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est un gros problème. Toi, on a pour nous vanter. Toi, on a pour nous les lander qu'on a biso. Souci bantou. Avec d'abord, question à structure, on a biso dynamique des artistes de culture du Congo. Il y a un autre qui rendre un dernier hommage, les hommages dignes de son rang. Parce qu'elles ont mérité. Nous remercions. Maman, première dame, Maman Désine Niakeo avec sa fondation, au Baya qui en appui. C'est-à-dire qu'ils ont quand même servi quelque chose dans la famille pour Bakunda au bon déco. Bisopé Bakunda. Et Bakouti Bino, quand même aussi, vous aviez fait quelque chose. Hein? Non, mais Bakouti, c'est bien parce qu'ils ont trouvé ce que vous aussi vous étiez si, de vous-même. C'est-à-dire que Nini, cotisation Maman Denise, et après, Bisopé Bakunda, tu l'as fait déjà cotisation. D'accord. Donc, et puis ça s'est passé comme ça. Donc, c'est tout à fait normal déjà. Bisopé déjà que tant que tu faisais un coup tu es jour à Liboso, tu es la famille. Le temps basé dans le monstre, le temps de lobby dans tu as eu l'idée que ah, deux jours après, il faut qu'on embaume. Belle vie à lobby, bon, moi je prends la charge, parce que nous embaume déjà Suzy. D'accord. Il y a une comédienne, il y a des chargements qu'on a, parce qu'il va embaumer Suzy. Et puis voilà, présent, le match, maman, tout ça, les comités, on a piloté, on a oxygène, on a coordination, on a eu une belle vie, on a eu tout là, et puis voilà. Voilà, et les kings, les kings, une très bonne organisation, l'essentiel c'est que nous pouvons la kimia. Ce n'est pas un honneur quand même. Vous devez Koufi Bongo, vous commencez à éparpiller ça. Les émissions, vous dites des choses dans... Non, c'est pas ça. Et vos collègues aussi qui prêtent leur voix pour tout ça. C'est ça aussi ça, peut-être à condamner. C'est-à-dire que les gens se laissent emporter. Bah, tout ça, on en buzz. Après, on baisse à l'écran de l'émission, à l'obaratro. Tu vas retenir ma question. À peine en matière T, il y a un loba place sur l'un. Mais tellement qu'il y a loba. Mais Babi, Bezamaka, c'est ça, jouez bien à tes. Quand on te donne un rôle, joue bien. Moi, je ne fais pas trop des émissions. Je n'ai pas aussi besoin de faire toutes des émissions. Au moins, tu as calé combien de fois pour prendre sur l'émission. Mais tant que tu es mon ami, tu es sur l'émission. Au moins, tu as calé le belé moussou. A qui m'a dit que tu es journaliste. Il n'y a pas commencé à analyser belé belé belé. Perdu, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on va. Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans la vie? C'est ça, en fait. Mais tu dois te situer. Situe-toi. C'est très important, Ingrid. C'est déplorable, ça. C'est-à-dire que les autres, ça peut être l'éducation, même si tu es dans le mandat. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais refusé de me dire, de devoir poser la question qui a sorti cette liste. Non. Non. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se responsabilise. Voilà. C'est déplorable. Après ce liste, on est bimi. Et c'est quoi? Et l'on a commis, net, l'on a gâché, on a commis moi, si tu n'as pas mon bal. Non, et rechangé. Est-ce que tu as l'impression que tu as acheté 1000 dollars, tu as acheté 2000 dollars? Non. Le sens pour nous, c'est la cotisation de chacun. Bisous. Bactis, c'est corporation des artistes, c'est organisé qui dynamique, Penakona, c'est organisé qui et puis voilà, ANTP, c'est Penakona, c'est organisé qui. Mais c'était la corporation des artistes qui pleurait, qui rendait hommage à Suzy Bantu, paye à son âme. On dit bravo à l'artiste parce qu'elle a accompli sa mission. Et qu'elle repose en paix. Nzambe Suzy à Kota Hospital à Bimi. Nzambe à Bimi, ça qui est bongo. Parce qu'il y a eu qui mission ni Tindaki. Exactement. Suzy s'est repenti avant sa mort. Ok. Parce que la vidéo, vous me la cartez. Non. Deux semaines avant la solar, on a eu. Mais nous avons besoin de mon lit, et c'est ça qui est important. La mort, c'est la vie qui doit porter tout être humain. Ça fait partie de la vie. Ça doit nous interpeller beaucoup, la mort. Il y a des leçons à suivre là-dessus. Et quand toi tu vois certains de tes collègues, hein, je n'ai pas de nom à te citer, quand tu vois certains de tes collègues qui sont encore dans des querelles, tel Aleki Oyo, d'autres qui vont se disputer, pour moi j'ai ma mère. Pourquoi non, Louis Jouvet, c'est un grand nom dans le monde de théâtre. Il a écrit des choses. Il a dit on ne peut jamais comparer deux comédiens parce que chaque comédien c'est un cas d'espèce. Non. Parce que chacun a sa manière. La sensibilité de comédien, c'est différent. C'est même clair. La sensibilité de metteur en scène des réels, ça c'est différent. Déjà. On ne ressent pas de la même manière. Pourquoi nous comparer? Je peux faire. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Il peut y avoir toujours des imperfections. Ça, c'est au grand la salie. Qu'est-ce que toi aussi tu as fait? C'est par là que tu reçois la comparaison. Bah, tout ça, tu as ma comparaison. Mon loyer, œuvre, tout ça. Ah, œuvre, oh, il y a qui est tout. C'est comme ça qu'on doit juger un artiste. Il y a Modéro, il y a Modéro, il y a Douché, il y a Bobo, tout ça. Nous restons là. Oh, il y a Bellevue, oh, il y a Silla, oh, il y a Péchang. C'est ça. Restons dans le travail. Oh, comment tu as ma vie privée? Non, non. Ça devient aberrant. Ok. Le face à vous-même. Guécho face à lui-même. Quelle est ta pièce préférée?
Un rocambole. Un rocambole. J'adore Mathieu. J'adore parce que Nabimissa, le meilleur de moi. Toi. Quelle est ton interprétation préférée? Mon interprétation préférée. Ah ben je te dirais dans Rocambole parce que. Ah t'exagères. Ben, je t'ai dit pourquoi. Parce que Naouti Rocambole. Pour nous, comme à Abu Dhabi. Et là, quand on a c'est-à-dire que nous avons passé à Kembi. On savait escroquerie par moment. On a changé cap. On a toujours une escroquerie, mais à comme Abu Dhabi. À comme il y a réfléchi trop. On a mis tout le temps en temps. Quatrième saison de Makalami. Je salue tous les Rocambolois, les Rocambolois et les Rocamboloises, la grande famille rocambolesque. Tant que tu as mis sa quatrième saison, on a escroqué le gouvernement. Quel est le style que tu préfères interpréter entre le voyou, le quinois, le président, le... Non, j'adore faire le voyou, la voyoucratie. Ok. Voilà. La voyoucratie, voilà. Je suis passé... C'est-à-dire, moi, je suis un voyou récupéré par l'université. Ok, d'accord. Voilà. Ah, donc tu tombais déjà dans ça, quoi. Donc, tu baignais déjà dans ça. Non, j'ai régné dans... j'étais dans la vie de ghetto, là. Voilà. Quand on a quitté chez père, on n'avait pas mère. Donc, si on a quitté pas père, là, on a découvert ma vie. C'est clair. Quand on n'a pas maman, on a découvert l'éducation diffuse. D'accord. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok. On a fait ballet, on a fait judo, on a fait mukumbusu, on a fait musique. Donc, papa, on a fait logique. So, okay, grand frère, il y a mec avocat, il y a mis ballet, il y a mis sciences politiques, il y a mis journalisme. Okay. Il y a 4 il y a Eric Nganga, il y a Poto, il y a 5 juniors, artistes aussi, il y a Soukabissé, maître avocat, Christian Nganga, c'est mon avocat aussi, d'accord. Mon conseiller juridique. Moi, ça dans la porte. Donc voilà, papa n'a rien de logique. Avec beaucoup de rigueur. Maman, on a trouvé moi ouverture et permettre. Il y en a bien ça, peut-être pas ricocher. Le secret de Guécho pour la clé de la réussite. Le travail et la persévérance. Et ça, devise que tu as un groupe. Le travail, c'est l'amour indivisible. J'ai presque à savoir. Vraiment, je suis bluffée. Alors du coup, tu nous as donné ton secret. L'endroit où tu médites le mieux pour écrire une scène, ton endroit préféré? C'est sous les arbres. Hein. Ah ouais? Ouais. Une blessure que tu gardes dans ce métier? Pardon? Y a-t-il une blessure que tu gardes dans ce métier? Ouais, quand j'ai été rejeté par les comédiens, je parlais de CP Lissa. J'étais rejeté. Ouais. Ouais, comédie, tiganga. Mais au final, pour toi, ça a été une force au final, Nalelo, voilà, quand tu vois dans le rétro. L'échec prépare souvent un nouveau succès. Ça, c'est important. Nous ne devons pas avoir peur de la perte ou de perdre ou d'échouer. Oui. Moi, j'accepte. Tu sais, l'humiliation est un niveau où on est sur un tableau où il n'y a pas de tombe. Exactement. Moi, quand on m'humilie, j'ai dit voilà, le moment est bien choisi pour travailler. Et là, on a un bango, bah, oh, yébi, kebare, j'étais à Kayobo, Zano, normal. Tu oublies? Bah, il y a un mongo là. Il y a sans problème. Quand j'ai un problème, j'ai dit comme ça. Ah, l'oubli et puis ça passe. Après, c'est fini. Ouais, c'est-à-dire que je suis bon avec tout le monde. N'alignant qu'on s'est rabaissé, n'a pas bleu, bah, futilité, non, je n'aime pas trop. Et puis, n'a pas trop humilié. Moi, mon seul ami, c'est Dieu. J'ai des collègues artistes. Moi, je me confie dans Nzambé. D'accord. Quel est celui avec qui, masculin, tu trouves que quand vous êtes ensemble, ça va de pair? Je sens déjà, je sais qui tu vas me dire, mais disons. Sur scène? Ah, mais c'est Piron Domba, c'est mon jumeau, c'est lui. Ah, ben, c'est Piron Domba, il y a une complicité. D'accord, c'est pour ça qu'on m'a filmé, j'ai fait cette musicalité des Guéchou et Piron. Exactement. Ah, c'est comme si on était cette tête de la sorcellerie. Donc, c'est comme si on répète. Exactement. Donc, il y a des réflexes là, donc, comme pas possible. Oh, Piro, c'est une bête de la scène aussi. Exactement. Ouais, non. Et avec quelle femme tu sens que bon, je joue bien un rôle, il y a moins Samoubal. On vous a abattu, c'est quoi, vous talani, bon, c'est comprendre. Sur scène. Hein. Ouais, sur scène. Et bon. La jeune, jeune, bon, belé. Et ça, la petite Yasmine, n'est pas à quel point tu comprends. Oui, il y a que Priska Kanouchipi. Et qui, donc, voilà. Aujourd'hui, bah, c'est sur deux autres, mais aussi Bellevue. Bellevue, oh là là. Et qui terriblement retourne dans la face B. Il y a une star qui m'épate aussi. C'est qui?
Uxil Peshanga. Ok. Bah, non, elle, c'est-à-dire qu'elle est forte. Mm. Elle est forte. Pour toi, c'est quoi son point fort, artistiquement? C'est-à-dire qu'elle est tragique. Là, d'accord. Elle est, okay. Elle est vraiment tragique. Mm. Sur la côte, il y a une terrible. Dans la complicité, il y a moi si tu as une terrible. Au c'est-à-dire que depuis na ba CD et yagi so ba kutantinga na ye tout et ça va de pair tant de comme tina ma mon so ba internet yo ba ke to ne ba changa ke so mo to ba problème c'est où mais to betango to betango pa to ke ndara danger et la fume mo to sala pa na ye wana c'était quoi toi ni ba songi ba veni boy a bakouk oh là là oui oh là là laisse tomber. J'adore, mais Bartis, c'est pas mal. Ah, tu as une petite soeur, on a déjà Marina Lolita, ou à jouer moi, c'est notre cadette avec les Nangakoubi. Après, carrément, on a besoin de souk, parce que des gars incarnations, et puis on a la répétition pour jouer Nangabongo. 2023, nous sommes dedans. Qu'est-ce que Geisho nous prévoit pour 2023 et montons? 2023. Les surprises, même si au Lobanio sauté quand même au côté Katamwa 2. Déjà 2023, on a 4e saison à Rocambol. Déjà. Déjà. Et puis on a un projet à Makamunabiso. Parlons sur. Nous voulons un peu déclencher. Bah, tout ça, ils ont l'élément déclenché à cinéma congolais. D'accord. Parce que. Bah, tous les bandes. Pourquoi je suis sur ma boîte TV à point. C'est-à-dire que le monde est comme une posée à cinéma congolais. Mm. Mais vraiment, on a une star à cinéma congolais. Mm. On a un film congolais, mais nous ne voyons pas des stars. C'est comme une posée à vivre en haut. D'accord. Parce que Bissot, on a un projet Oyo. Mm. Pour cette année 2023, tout comme on a Souka, il y aura des éléments qui pourront déclencher le cinéma congolais. D'accord. Et le faire. Voilà. Notre projet est une unité culturelle congolaise. Tambo, Tito Kombo, tout ceci en 2023, Makambo Loba. Et puis il y a des projets que nous préparons aussi avec Bellevue. D'accord, ok. Mais j'aime bien parce que tu es bien dans les réseaux sociaux. Mmh. Presque 100 000 vues dans les Facebook. Ils parlent bien les réseaux sociaux, ça porte quoi au-delà de ça? Ouais, ça. Tu as une personne visible chez moi-même. Parce que j'ai mes pages. Exactement. Et puis c'est terminé. Et puis c'est terminé. Donc voilà, ça joue un rôle très important sur ma visibilité. Selon toi, quel est l'avenir? Quand tu vois un artiste, tu te dis lui plus tard. Tu vois, comme à l'époque, comment tu as dit, Modéro t'avait regardé, avait dit, même ton professeur Elvas t'avait dit, il a de l'avenir, pour moi, tu es déjà prêt. Aujourd'hui, toi qui as ces 20 ans de carrière, quand tu regardes maintenant, quel est celui dans tous ces jeunes-là que tu te dis, lui va être un grand artiste? Sous Natanga Mibale, pour peut-être pas déranger. Lelo Natanga Mibale. Bon, non, mon abongo Lelo, mais c'est Naloba qui est en haut. Ah bon, dis-le nous alors. Voilà, moi déjà, s'il faut bancaler mon bic ici, il n'y a pas de Makamout, Lelo T. Grâce Luzolo. Ok. Garçon dégourdi. Oui. C'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire. Aïda Kapilas, on a découvert un groupe à Douché. Okay. C'est-à-dire qu'on a dans sa ronde, la connaissance émission, on ne la partage pas. On a une répétition, tout le monde a un cabou la matière. On a des jeunes artistes. Bien sûr. On a découvert Aïda. On a dit, ah, mais toi tu es bon. Tant on a dit, oh, Aïda est rendu. Oh. Tant il y a rappelé, il faut exploiter le côté de Gladys. Parce que par moment. Tu vas faire mourir Aïda. Oh, voilà. Et tu vas étouffer Gladys. Puis, aujourd'hui, on a exploité pas mal, donc voilà. Décor Ilonga. Donc, les petits au Cambodge. Non, il y a. Donc, c'est-à-dire, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Que tu l'avais déjà dit. Non, mais déjà, depuis, il y a un peu de temps. Chéri Katumba. Comprends? Ah, je suis un peu de temps. Ouais, mais on a Manu Tara. Donc, moi, je suis un peu de temps. Boda. Boda. Je suis un peu de temps. Boda. Ok. On a un peu de temps. Et les gens vont comprendre après, il y a. Il y a un silo et pambo. Ok. Tu vas comprendre mon caméra. Guélor, tu serais capable de regarder cette caméra et de donner un message à un jeune artiste. Enfoui, tu as donné des avantages, mais tu as donné aussi les désavantages de ce métier. C'est-à-dire, Azakala, courage, on a été obligé. J'aimerais que tu donnes un conseil pour le motiver. Un conseil motivateur d'un aîné et surtout d'un professionnel pour réussir dans ce métier. Ce serait quoi ton conseil? Mon conseil est que jeunes artistes,
que personne ne te dise que tu ne pourras pas. Même ton père. Ouais, beau tio soit sur le coca type, c'est non. Non, coca. Et puis, tu dois mettre ça dans la tête. La personne la plus dangereuse dans ta vie est celle qui nourrit tes doutes. Il faut avoir ses deux pieds sur terre et sa tête sur les épaules. Quand il s'agit de jouer, il faut jouer avec sa tête et son cœur. Parler de la tête, je vois de l'intelligence. Le cœur, l'âme. C'est très important pour vous. Les talents seuls ne suffit pas. C'est la ténacité qui compte. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'était clair, net et précis. Voilà, mes chers téléspectateurs. Regardez avec nous un dernier extrait, puisqu'on ne va pas s'enlacer comme on l'a aujourd'hui. Vous allez le voir en long, en large, en grand, ici, dans votre émission Entre nous, afin que nous puissions chuter avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Voilà que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Comment L'assassin, c'est toi? Tu sais la personne à qui tu parles sur Facebook? Attends, ma chérie. Je t'ai dit combien sur Facebook? Oui, nous sommes sur Facebook. Je t'ai posé la question. Au soli bien, tu as dit bonjour, bonjour. Es-tu marié? Pourquoi tu as. Jusqu'à là, tu n'as même pas répondu. Pourquoi tu n'as pas répondu? Demande à pas passer au mbang où tu as répondu. Ma question, tu as répondu. On s'est marié, on va répondre pourquoi. Oui, nous sommes sur là. Rodriguez, tu crois que tu es un Brésilien? C'est moi? On va répondre pourquoi. Tonton Guicho, vous allez là-bas fou con. J'en ai plusieurs. Mis pas avec qui tu parles, c'est moi. Aujourd'hui, je suis un homme qui ne connaît pas. Tu as déjà parlé de moi? Où est-ce que Sony? C'est pas beau, hein? C'est pas beau? Où est-ce que Sony? Tu m'as déjà publié? Il m'a dit que le roi est beau, ma. Non, c'est plus la marque, c'est la générosité, non. Mais un gars, il est ravi, il est le goût de la vie. Et on est sur la nuit, 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 on est au Yozoa. Et ils sont très importants. Parce que moi, si on est vendu, je parle Bellevue. Bellevue. Je parle de la vie. Je parle de la vie. A souffrir. Je parle de la vie. Et Bellevue m'a trahi. Il n'y a aucun roba là. Bellevue. Toutes ces maligances et celles qui sont là pour la Daily. Dans la poussée d'un côté. Je n'en ai pas besoin. Et puis, Daily a un chantage. Il faut un pèse un bon. Il me prend pour un baudet, pour un saut. Il a un pèse un bon. Avant que je ne fasse pas de fou, je n'ai pas de fou. Monsieur Bobo, je suis dans le lobby, dans la poussée d'un côté. Je vais vraiment récupérer Ozali Yanga, Ozali Yo Bellevue. C'est pas cool. Je crois que c'est clair là-bas. Nous voici dans Confiez-nous tout. Guécho, qu'est-ce qu'a Gaylor que n'a pas Guécho et vice-versa? Gaylor, c'est une personne réelle. Guécho, c'est un personnage. Guécho n'existe pas. Oui, en fait, d'accord, bon, la Guécho, donc, c'est le personnage qui me poursuit jusqu'à la vie normale. Ouais. D'accord, ok, super. Que fais-tu de ton temps libre quand tu n'es pas en train d'écrire, quand tu n'es pas en tournage, qu'est-ce que tu fais du peu de temps libre qui te reste généralement? Tu aimes faire quoi? Des fois, je joue au foot parce que je suis joueur. Oui. Par moment, donc si je n'ai pas de tournage, je suis au bureau, je suis au centre culturel. D'accord. Ouais. Et quand tu dis justement avant, oui, tu as dit tu fus joueur, ou des fois tu as dit tu es en tournage. Non, si tu n'es pas en tournage, tu es au centre culturel. Je traite le problème administratif là-bas. Plat préféré, c'est Tony Tokanga Guécho. L'eau, Suna Madé, Suna Thompson. On a du 1er au 30 au collier. Donc, madame, on a eu un peu de temps. J'adore ma déesse. Ma déesse, elle est mystique. Hein? Grave. Elle est mystique. Après, c'est pas comme belle ma déesse, ma déblo, ma dende. Et puis, il y a un baba bleu, on y a surtout ma déesse. Au bébé, ma déesse, on y a un pondu. Donc, il y a un bagage, il y a un gros saka ma déesse. Il y a un saka pondu. Donc, il y a un bango, il y a un angolo, à côté de la katikuna. C'est clair. Ma déesse, elle est mystique. Abuna makasina, épina, mais ma déesse, elle est mystique. Ah, mystique.
Une qualité que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Ah, je suis trop colérique, ça c'est un défaut. Ça c'est un défaut. Je suis... je n'aime pas faire passer le moindre bêtise. Ah, ce sont une sakanda. Ce sont une sakanda. Quand on est sur un sportif, des fois, là, on a art, oyo, et ça l'a bien. Ouais. Des fois, on arrive à petite soeur, bah, qui. Ah, il y a un zoubeta. On menace Bissot, Gécho, on est au bout là. Là, on n'a pas un peu mal à la balle, mais on a un peu de salaire à haro. Parce que des fois, je ne dormais pas à la maison. Na kimi pale po mbi le fois le kona tongo. Ouais. Tu dis comme na bongo. Incroyable hein. Ouais ouais. Nga jido e memanga likolo mabete na mbuswa na memanga pena donc. Nga bana ara e zongi sanga. Et temporiser. Et changa be temporiser na changa pena grand monsieur. Donc tu kalo bunda te na. Père na yango père nga mukula ya ko tanga na journée à Wallonie Bruxelles une journée comme une autre avec mes professeurs Abia ça c'est mes témoins na pena l'union ça. Mais je suis posé une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé il y a avec une personne bosse sur la thème, mais vous devez jouer le même, vous devez jouer dans la même pièce. Pas si ndé gédé comme que dos sur la thème. Ah d'accord. Parce que y a pas si. Ngai ya souka moi c'est parce que ngai na lobby nanga. Na lobby sur na coûte na ibisi yomba moko. Deux autres chambres ennemies ngai moi non. Ah toi tu peux jouer la scène après au kipa ngoté. Bah je m'en fous moi je joue là, bisous de jouer ndé. Mais je m'en fous na ken ngoé. Ok. Ngai coûte comme bana groupe nanga monsieur. Balongwa de manière pas bien, monsieur Soubani. Moi, au côté d'un tournage, je me vois boire, jouer pour la peau. Présent, il y a Olobini. Oh, laissez-lui, elle joue, je te laisse la jouer. Comprendre. Je suis là, belé, monsieur Bakeda, Kendabani, tout ça. Donc, là, ça m'intéresse. C'est-à-dire que moi, d'abord, le métier que nous faisons, c'est un métier libéral. Vous êtes libre de tout faire. Hein, donc, même de partir. Voilà, ce que nous avons, tu n'es pas obligé de rester avec moi. C'est clair. Ça, maintenant, c'est un peu comme bien que la séparation elle est douloureuse, mais Bakabon quand même. Une qualité. Une qualité. Omiye bakanam. Omiye baga. Omiye baga nazaramo maele. En plus il est gaucher hein. J'aimerais vous préciser, c'est la team des gauchers entre parenthèses. Le film que tu serais capable de regarder mille et une fois sur les kina TV au Kouta Nango. Un prince à New York. Ah Seigneur, c'est vraiment le film de prédilection. Un prince à New York. La chanson que tu écoutes ces trois derniers mois qui te revient souvent au Yembaka au Yokaka. Les oiseaux ont un micro trop. Il y a un zéboa ferré. Le micro qu'on a eu, il y a un bon zéro pour Toto. Awa Machi, ok. Parce que tu as un nouveau modèle. Ok. Ton dernier caprice. Quelque chose que tu devais t'acheter et qu'au final, il ne fallait pas. On lui dit ah, t'as dit que tu as un bon zéro. Dernière caprice. Bien. Ah, il y a Luka Luka. Luka. Le fait que moi, ce n'est pas capricieuse. C'est qu'on a une salle de sorte que caprice n'est dominé. Parce que moi aussi, je suis capricieux. D'accord. La salle de sorte que caprice n'est dominé. Et quand c'est fâche, j'ai. Tu fais caca. Madame. Ça te fait. C'est facile, la vie d'artiste marié. Ben, hormis la vie artistique, nous devons voir nos vies aussi privées, tout ça. Donc, bien sûr, mais on dit que vous êtes plus vous êtes, votre vie n'appartient plus qu'à vous-même. Donc, c'est-à-dire que quelque part, des fois, enfin, il n'y a pas un star. À quoi vous star sur ta mère? Oui, moi c'est des choses. Oui, moi c'est des choses. Ça la dérange pas? Ça la, donc, à mes salles, non, parce que. Ok. Et regarde, en tout temps, on n'est pas télé ici là. Quand tu es plein de lignes, tu es mingi, 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 tu es mingi. Ta boisson préférée? Ouais, moi c'est Fanta. Ok. Le dernier texto envoyé avant de débuter l'émission, à qui était-il adressé? Le dernier appel. Texto ou appel? Bon, dis texto. Ah ouais, on dit dans madame Nanga. Ah hein, ok, c'est une Nakomi. Naisake, Nakomi Ndaku, parce que son père est malade. Ah d'accord. Ah qui t'en a Kekuna. Je suis chez papa, mais je vais à l'église.
dernière texte y a un an. Ok. Mm. Le pays de tes rêves, un pays que tu aimerais vraiment visiter, que tu n'aimerais pas quitter ce monde sans avoir vu, de toi-même. Il y a déjà New York. New York. Ok. Faut là New York. Un prince à un New prince York. À New York. New York. Ok, d'accord. On va visiter New York. Mm. Voilà. Ta plus grosse honte. Ta plus grosse honte, Sonia Mouni. Sonia Mouni, il y a plus grosse honte, et ça. Ok, qu'on te dévalorise, ouais. Ok, je voulais les trouver enfin. D'accord. Il y a un principe, moi, vie, je vais là où je suis honoré, que là où je suis toléré. Oui, parce qu'on a Kanyang. Il faut aller là où vous êtes honoré, que là où vous êtes toléré. Exactement. Si tu avais une baguette magique, malgré que tu avais ce banzam bété, hein, et que. Tu dois taper là tout de suite maintenant. Ton Zambaye Leonardo, t'as le big. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse là tout de suite maintenant? Demande-moi et je te le fais là, sans réfléchir. Tu poses, tu demandes quoi? Tu mets ta baguette pour parlement, à bisou nyo sou et balouka. Et toi, tu vas député là tout bas à la tête. Comment tu as banane? Batcha banane. Bisou de ya. Gélor, ce batcha yo peda attend un ministère de la culture et échanger. Les tigres ne proclament pas sa tigre. C'est devant la proie qu'on comprend qu'on est tigre. Ok. Ça va. La dernière question, l'avant-dernière question, est à savoir si aujourd'hui, qu'on paye. Oui, Gélor, tu as un projet, tu as réalisé une scène, avec toi, ça fera 5. Donc, on a deux filles, deux garçons pour Bokende, tourner en Europe. Qui choisis-tu? Première question. Ça sera compliqué, on va voir si on a une cousine, on va voir si on a une cousine. Vous allez à la cabouille. Vous allez à la cabouille. Parce que là, on a un fanatique. Au moins, il y a des artistes que je suis fan. Ah oui, c'est pour une chambre que je suis fan. Je prends un exemple. Moi, je suis fanatique de Davina Apo. Je suis fan de cette petite. Ok. Elle, je dis, cette petite, elle a l'art. Je suis fanatique de Da Costa. D'accord. Ben oui, je suis. Donc. Fanatique de notre tonton Loulou, Pierrot. Et ben voilà. Donc déjà, bango trois bas côtés. Monte qu'on remplir biso scène notre Luka qui. Parce qu'il est pas calme. Bazar, tu vois bazar, sur la minute Loulou, yo na liste, voilà yo. On a même pas nos plis à partir de notre tangue le bel et bien là. Deuxième sous question, cana question. Donc déjà quatre pays, si biso qu'à trois, bon, on va se débrouiller avec. Deuxième sous question, la quatre question. Est-ce que tu rentreras? Si, je rentre, si tu pars dans la tournée là, est-ce que tu reviendras? Ah, en tout cas, au moins les bandes à tourner, on a. Soit une linga qui est en pleine linga, mais une balade. Moi, tu n'as une. Parce que la balade est succès, c'est une. J'ai été nominé plusieurs fois aux États-Unis avec la série Rocambole. Tu m'as pris un visa. Et puis. Ça m'écœure. Moi, je me suis dit, ça n'a pas été dans ma vision. Oui, mais eux, ils ne sont pas censés savoir connaître ta vision, puisque oui, parce que tes collègues sont partis. Il n'y a pas la politique culturelle. Ils ont revenu parce qu'on a bisso. Moi, je suis de côté, je suis de côté, je suis. Ils doivent faire la situation de la Nguana. Il ne faut pas qu'ils aient vers l'ambassade. Le consulat, nous venons demander la facilitation des visas pour nos amis artistes. Il te dit, il faut que tu sois là, ma camouana bien. Et comment? Tu sais qu'il y a des artistes rwandais, qui voyagent, pas de bazonga, zonga. C'est clair, je les ai déjà vus. Il y a des amis, il y a des amis, il y a des amis, c'est-à-dire que le roi OSM avant, et ça l'a mis derrière au poste de Makuna, c'est-à-dire que le voyage ne doit pas paraître comme un luxe pour un artiste. Ça, c'est très capital. Aujourd'hui, c'est un problème, voyager comme un luxe. Les concepts artistes, au-delà de ça, il y a une philosophie. Oh, il faut. Et donc, tout est déjà vu. Nous, surtout, la vie ne doit pas paraître comme une surprise pour un artiste. Non. Je parle de la loi des crescendo. Nous sommes là, nous avons pour nos publics, nous un niveau bas, pour nous avons un niveau élevé. Voyage. Tout là, il faut l'ander artiste pour l'ander, ils ont loukaé pour louka. Bah, il faudrait peut-être que la vie aussi sociale de l'artiste soit peut-être meilleure. Exactement, exactement. C'est-à-dire que. Les artistes sont abandonnés à leur tristesse.
œuvre, tu as la œuvre, tu as tout ça raté. Parce que tu as un conjoncteur, tu as une chance de sourire à qui. Tu ne peux pas lui en vouloir. Voilà. Tant que à plusieurs fois, il y a un sujet à Dubaï, réflexion. La plupart des relations sont belles et belles dans le Liban. Et quand on a un problème, on comprend que les gens qui ont été portés. Ok. Alors, ils vont être portés. Si vous comprenez, il faut voir ma vision, c'est ici. Ma vision, c'est ici, là. Je suis comme un petit, je suis de l'espace, je suis un vice-président de l'administration des finances. Je me suis battu pour ça. D'abord, je suis le vice-président du conseil communal de la jeunesse de l'EMA. Je suis le conseiller du bourgmestre en matière de la jeunesse. Mmh. Nous sommes là pour l'encadrement de la jeunesse. Et dans ça, le voyage, il faut aller de l'autre côté. Est-ce que tu pourrais regarder cette caméra et si tu aurais un mot à t'adresser à la ministre de la Culture actuelle, Madame Cathy, ce serait quoi en tant qu'artiste? Tu parles à celle qui vous gère. Oui, je parle une recommandation, quelque chose, un ras-le-bol, j'aimerais. À son excellence, Madame la ministre de la Culture, de prendre en considération les déshydratats des artistes. Ok. De créer une politique culturelle dans le pays qui n'existe pas jusqu'à nos jours. Oui. Chercher à écouter ces artistes. Mbela Ototinara Mikona Mikolo. Il fait comme il a. Et c'est très important. Il n'existe pas la politique culturelle dans le pays. Parce que Yango Soge Vandi, Yango le retombe la mboka. Et puis. Et c'est très important. Voilà. En tout cas, merci. Ces mots étaient clairs, nets et précis. Guécho, un cœur comblé? Vraiment comblé. Prêt? Il n'y a pas des espaces. Vraiment comblé. C'est un réel plaisir de t'avoir dans cette émission. Pour être aidé, on a obligé Géor qui rien. C'est un réel plaisir. Mais les yeux sont insatiables. Ah. Mais c'est le cœur seul qui porte une seule personne. Exactement. Et puis, ça comblé par Vignel Lusanga. Que nous saluons tous d'ailleurs. Dans ce mois de la femme. Voilà. Merci à toi. C'est un réel plaisir de t'avoir entre nous. Enfin, c'est fait, le comme on l'a dit. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose? Je sais que tes chaînes sont en train de, les noms de tes chaînes sont en train de passer ici et de tes pages, parce que tu es partout sur YouTube, sur Facebook, Instagram. Un dernier mot ou un remerciement? Je ne sais pas. Ouais, je dirais merci à tous les rocamboloises, rocamboloises, la grande famille rocambolaise, présence Moki 9278. Il y a Tete Yondo, il y a Mete Angunda, Juliana Thomas, pourquoi pas Mi José Lutete, Sophie Lutala, il y a Sainte Lutala, Gilda Lutala, je salue Aristote Kitambala, Jonathan Gann, les champions des champions, Sisodor Moujaïdjin, nous sommes 23, l'éternel mon béjou, je ne manquerai de rien. Joyeux anniversaire à Nathalie Kalongimotema, Eric Serge Chindou. Voilà Aristote Kitambala. Bogali Bongong, bon séjour à Kinshasa. Donc, tous les amis de Lukeni, les amis, je vous aime beaucoup. Patrick Bilombo, Nana Katanda. Donc, voilà, Ginette Mugangasana, Bogali Bongong, Bama Sananga, tous les gens qui ont été bien. Je vous aime beaucoup. 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 Maître Benjin Joly, Maître Christian Ngangé, Eric Ngangé, Chimbo, Magali Ngangé, Junior Ngangé, Fabrice Ngangé, la grande famille Ngangé, Napesi Binos Mbote. Donc, on est ensemble, Igé Ngangé. Donc, voilà, je vous aime beaucoup. Obo Sanim Tumoko Yebi. Nani, c'est ça. Ngait. Ah, Igé. Attends, merci, Monte. Igé Kabongo, moi, en tout cas, tu m'as dit. Ingrid Kabongo, en tout cas, on a apprécié, je te remercie, on a vraiment sur ton plateau, puis tout ça, l'échange, vraiment, il y a un échange vraiment fructueux dans ce pays, Makassi. Voilà, j'ai un méchant bon des alas, trop pour tout pendant moins de tech, quoi. C'est clair. Des alas, donc voilà, faut te faire réaliser la mission beauté. Bien sûr, Charlie Kanga. Charlie Kanga, je te salue, donc voilà, on est ensemble, donc voilà, haute bolingangaï, maître, tonton Baba, Yann Gandhi, tonton Baba, je te salue. Donc voilà, Mbote Atro, Napesi Mbote Masananga, Julien Ekofo, Napesi Mbote, pourquoi pas, JD Chouke, Napesi Mbote. Donc voilà. Et voilà, mes chers téléspectateurs, donc nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir dans cette émission Guécho Spoon. C'est un réel plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Vous nous retrouverez bien évidemment toujours sur ces directs chaque dimanche à 15h. C'est la 334, la chaîne qui
qui vous fait plaisir. Et bien évidemment, vous retrouverez aussi cette émission sur Congo Web Télévision, mon président Chabani, qui est un grand culturel. Merci à toi, à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. J'ai pensé à toi, car je sais que tu appréciais beaucoup la personne, que tu appréciais beaucoup l'artiste du jour qui était ici, c'est Maman Bijou. Moi, c'est Abois Noir, la femme du général. Merci à toi de nous suivre. Merci à toutes les personnes qui nous suivent aussi. Natacha Kabongo, fan de cet artiste qui est tout autre que Gecho Spoon. Le voici ici dans ce plateau. Restez toujours scotché, restez connectés. Continuez à vous abonner dans ces chaînes, dans ces réseaux sociaux. Et bien évidemment sur Ingrid Kabongo TV ainsi que sur toutes nos chaînes. Merci à vous tous. Merci à mon réalisateur qui n'est tout autre que Charlie Kanga, le meilleur de sa génération. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec la sainte Ingrid Kabongo et Gaylor Ingangé, je précise bien, Gecho Spoon, le rocambole, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.